Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo Fortnite où on va tester un Death Run de Crossback Pena pour tester notre QI. Oui, on va tester notre QI sur Fortnite, c'est assez original, avec un Death Run. Donc tout simplement, si on se plante, en fait, on perd du QI. Et puis en fonction des niveaux qu'on gagne, des pièces qu'on gagne, on va pouvoir gagner du QI. Ok, premier Death Run, premier niveau, c'est simple. Ah, donc le rouge non. Le vert impeccable. Et donc là on peut sauter à, en fait, le level 2. Work on the side. D'accord, donc là ça en fait ça permet de demander des indices. Très bien. Et donc on va marcher sur le côté. Impeccable. Impeccable, impeccable. Hop, on va sauter là. Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il veut. Ah oui, en fait c'est un descend de troll, c'est vrai qu'il faut du coup. Faut trouver un petit peu tout le petit passage secret. Après, je vous cache pas que j'avais déjà testé un peu Death Run par défaut. Quand Cross commençait à créer sa map, donc je connais à peu près les premiers niveaux. Après, le reste, c'est une autre histoire. Jusqu'au bout, je me serais planté sur ces murs invisibles. Très bien, câble. Alors là, là je connais le niveau, vous allez voir. Vous vous dites, bah, vous sautez sur le carré en fait. Mais non, faut pas sauter sur le carré ni sur les rebonds. Faut sauter là, en plein dans le milieu. C'est comme ça, c'est que du troll. Que du troll ce Death Run. Et du coup il y a 50 niveaux. Et je me suis planté, yes. Il y a 50 niveaux du coup. Voilà. Waouh, sa mère. Ouais, attends, c'est nouveau ça, il a changé ça. Je l'avais testé ce niveau, c'était pas comme ça avant. Voilà, impeccable. Donc là on avait quelque chose, je crois. Si mes souvenirs sont bons, de ce côté-ci, voilà, mur invisible, et on pouvait sauter là, impeccable. Là, c'est super simple, hein. En fait, il suffit de courir sur le bord de la plaque, voilà, pas très compliqué. On court, et hop, on y est. Là, faut passer à côté, parce qu'en fait, les failles, elles vont te ramener au début, donc ça sera que dalle. Voilà, on prend une frite, impeccable. Oh, les frites, c'est chaud par contre, ça. Soit je crois que ce niveau-là, il n'y a pas de troll. Je suis pas sûr. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo Death Run vous plaît. C'est une petite vidéo un peu chill, tranquille. Hein. En attendant de gros projets que je suis en train de mettre en place pour cette fin de mois. J'espère, enfin en tout cas cette fin de mois. Et pour la rentrée. Voilà, donc puis c'est l'été, c'est chill, c'est tranquille. Donc petit montage très léger. Petit test de map, c'est tranquille, voilà. On se prend pas la tête. Yes. Yes, les bumpers qui vont carry. Pas du tout en fait. Non, juste pas du tout carry. Hop. Je veux aller là. Voilà, merci. Là c'était troll forcément, fallait se douter. Alors ici, je l'avais testé aussi quand Cross commençait à faire sa map. Je vous cache pas que du coup, j'avais galéré. Alors qu'en fait c'est un truc tout con, vous allez voir. Du coup déjà il y a des barrières en fait invisibles et en fait... Faut savoir que si tu te prends la barrière invisible, bah tu sautes, tu te trouves comme un macon en plein en l'air pour sauter comme un gros Google. Et en fait, il faut s'abaisser là pour passer à la suite. Alors ensuite ici, il fallait sauter là, là, là. Et après, il y avait un genre un passage sur le côté, voilà. Ça, câble. Oh non, mais non, mais non. Ah là là, le bumper de merde. On saute. Petit bumper. Et on y est, impeccable. Voilà. Ah ouais, non mais c'est bâtard. En plus, il y a un truc à côté à droite, j'ai pas fait gaffe. Que quelqu'un a activé. Hein? Je sais pas si c'est un bug ou pas, c'est bizarre. Elle va être bleue sur le côté là. Et bah écoutez, on va sauter à fond les ballons. Non, on peut pas. À partir de ce niveau, je crois que je sais plus ce qu'il fallait faire. Donc on va essayer de chercher. Hein. On va essayer de chercher ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut sauter là-dessus? Oui, voilà, en fait, le début était troll, mais le fin n'est pas troll. Ok. D'accord. Oh non. Ouais, non, mais là, c'est du full aléatoire, en fait. Comment tu trouvais la suite de chiffres, en fait? 06, 026, 4, peut-être? Oui, c'est ça. C'est que des chiffres comme ça. Pourquoi, je sais pas. J'avais pas compris, c'est pas grave. Hop, petit touche pino.
faut se laisser faire. On est temps. Hein? Quoi? Mais non, mais c'est une blague. Il m'a remis sur le niveau d'avant. What the fuck? Ah, d'accord, je me TP, yes. Le petit TP qui fait plaisir, pas du tout. C'est pas grave, il m'a remis sur le checkpoint, donc j'ai envie de vous dire, tant mieux. Voilà. Et là, on y est. Impeccable. De notre presse. Et ben, on va presser. Ah. C'était juste pour montrer, hein. Non, c'est juste que j'avais oublié, en fait. Tout simplement. On attend, hein. Ok, d'accord. Juste faire ça. Pourquoi pas. Alors, là, ici, c'est trop, bien sûr, on peut pas sauter là. En fait. Enfin, si, on peut sauter là, mais on est bloqué. Il faut passer ça. Et donc, en fait, il faut simplement se mettre en parallèle avec ça. Et sauter, genre comme si tu sautais, genre, en face, en fait. Comme ça. Et hop, on passe. Et impeccable. Ok. Voilà, le petit truc plutôt sympathique de ce Death Run, c'est ceci. Hop, on croit qu'on tombe dans le vide, mais non. Et j'ai raté, hein, mon tir, yes. Je disais donc, on croit qu'on tombe dans le vide, mais non. Et hop, on tire dans le truc, et on se fait TP. Et donc, à partir de là, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et donc là, c'est la grande découverte, je vous avoue. Donc je suppose qu'il faut passer au centre, mais vu que c'est un truc troll, on va passer à ce côté, voilà. Ici, bah je sais pas, je suppose qu'il faut rester accroupi, peut-être. Ah, donc on est bloqué. Ah, ok, d'accord. Labyrinthe. Ah, il y a peut-être un nouveau passage, là. Ouais, impeccable, j'ai réussi à passer. Ok. D'accord. D'accord, ouais, donc là, tu sais, tu peux tout, ok. Non, je peux pas, d'accord. D'accord. Hein? Ah, d'accord, fallait aller dans le tuyau. Ok, surprise. Bon, tant mieux. Tant mieux qu'on le trouve. You made it to level 25. Here are some free coins for you. Bon, ça sent le trap, hein. On va pas se mentir. J'ai pas envie de prendre les pièces, ça va. Je sens que ça fera de la merde. On va pas prendre les pièces. On va être intelligent. Je rappelle que c'est un Death Run Troll, donc on va prendre pas les pièces. Ça dégage. D'accord. Là, on peut pas sauter, ouais, ok. Bah, je suppose que c'est comme cette piste de danse, on va se faire une danse. Est-ce qu'on se ferait pas. Allez, on se fait la Macarena, bah les couilles, tout ce que je peux monétiser. Et Macarena. Ah, super, enfin disons, fallait attendre. Ok. Ah, super, je tombe direct, j'ai pas réussi à sauter. Donc, il fallait bien faire la queue de Macarena ou une autre émote pour passer. Waouh, c'est chaud! C'est chaud là le virage là. Ok. On va prendre bien l'extérieur plutôt parce que là. Ok. 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 Et c'est tout bon. Ok, là c'était un petit truc un peu simple. Pas de troll. C'était tranquille. Alors là par contre. Ok, il y a un ATK. Yes. Faut pas rebondir dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut peut-être monter dans le véhicule. Et si je monte dans le véhicule, ça fait quoi? Ah. J'ai passé. Ok, je suis passé. Fallait juste prendre le véhicule et tomber en bas. Ouais. Ça y est, ça va me tuer. Là, j'avoue, je sais pas. En vrai, je prends un 10. Les couilles. Hein. On the top. Ah ok d'accord, faut sauter au-dessus des... Tout simplement, impeccable. On a des rochers, tout ce qu'il y a plus de classique. Oh non putain mais... Cross si tu regardes cette vidéo. T'es un sale. Et tu mets l'insulte que tu veux à côté. Ah là là. Truc de merde. Je me suis fait avoir comme un bleu. Alors, je sais que c'est un truc troll aussi ça, c'était trop simple pour être vrai. Hein? Mais quoi? Mais... Pourquoi il s'est pété? Hein? Mais... Attends, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Attends, il y a un truc là. Bah, indice, nouveau indice.
Ne pas sauter. Ah ouais, d'accord. En fait, si tu sautes trop loin, t'as une puce qui doit désactiver le machin. Et si tu sautes pas, bah du coup, tu déclenches pas la puce. Ok. Ok, ok, super. Allez, c'est parti. Hop, ça c'est classique. Dans les espaces, j'ai envie de vous dire. Hop. Donc, on se rapproche à la vie, on souffle avec du bruit. Hein? Attends. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il va trouver le fake piège. Oh là là, la merde. Oh la merde que ça va être ça. Si je fais ça. Non. Oh là là. Oh la merde que c'est ça. Oh la merde que c'est, il va falloir trouver le fake piège dans tout ça. Oh le fuck quoi. Si je passe pas. Non. Voilà non plus. C'est là non, c'est pas là. Ah moi c'est au début en fait, genre en mode troll. Ah attendez, regardez là. Il y a un petit passage là. Je pense que ça doit être là. Je dois être en face. Non, c'est pas en face. Totalement planté. Totalement planté, c'est quand on passe. Ok. Non, je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas, les gars. J'ai 30 pièces en plus, je peux pas utiliser nos 10. Attendez, c'est par où là, c'est à l'entrée là. Faut que j'essaie de regarder par rapport aux autres levels en fait. Mais j'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression que la suite est là-bas en fait. Donc je pense qu'il faut faire un virage seulement et aller tout droit. Genre là en face. Oh, c'était ça, incroyable. C'est la barrière qui m'a guéri, je l'ai vu là, au dernier moment, je me suis dit en fait c'est forcément là. Incroyable. Ok. Ah oui, si tu rebondis, c'est mort, donc t'es obligé de rester en bas. Du coup, on perd du niveau de QI facilement. Bah écoutez, on va faire le labyrinthe. Ah, mais il n'y a pas de labyrinthe en fait, putain, c'est n'importe quoi, c'est pas un labyrinthe. Tu peux comme essayer propre, ça, c'est des propres, tu peux passer à travers, bah du coup, t'es tranquille. Ok. Et hop, on va en face. Mais là, j'ai peur. Est-ce qu'on peut pas vraiment aller là? Là, je sens le troll en vrai aussi, hein, tu vois. Genre, on saute en face, ça va nous mettre dans une barrière. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai juste sauté trop tôt. Oh, j'ai trop le seum. Ok. Ok, on a réussi le niveau. On enchaîne, let's go. D'accord. D'accord. Droite ou gauche? Droite. Super. Et bah, je fais plus confiance à ma droite. Allez, on enchaîne. Hop. Gauche, du coup. Gauche. Quoi? Mais. Oh non, mais du. Ah, je sais, c'est quoi. Vous allez voir. Vous allez voir. Hop. Et c'est en face. Non, c'est pas du tout en face. C'est pas du tout en face. Moi, il y a un 10. Moi, les bouilles. Left rock. Right lily pad. Left rock. On va tester. Hein? Bah, ça m'avait bloqué. Ah non, mais c'est là, d'accord. Oh là là, oui. Oh là 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 là, comment on perd du QI? Comment on perd du QI facilement? Je me retrouve avec 20 QI. Ça va être un carnage. Donc en fait, faut aller là. Et sauter à gauche. Ou à droite, je sais plus. Je sais plus l'indice. À gauche. Voilà. À droite. Mais non, oui, c'est du coup, faut que je saute à gauche. Sur le bloc de gauche, mais c'est ultra chaud en fait. C'est ultra chaud en fait de sauter comme on veut là. Ok. Waouh. Ah ouais, c'est chaud les mecs. C'est ultra chaud en fait, faut vraiment bien gérer son saut. Du coup, tu perds des QI super facilement parce que tu gères mal ton saut dans ce level. C'est un peu dommage. Voilà. Voilà. Et voilà. On n'en parle plus. Oh, le rollback m'a fait peur. Hop. Ça, je sens. Ça me stresse. Hein. Oh, mais non, mais les TP, micro TP, non, ça me saoule. Les micro TP qui cassent tes couilles. A few inches later. Ok, on y est. Ok. Est-ce que ça va être la bonne? Ah, oui, enfin. Enfin.
Après tant de souffrances sur un niveau aussi nul, j'ai enfin réussi. Ah d'accord. Ok, donc il y a des nuages qui te propulsent en l'air, on ne sait pour quelle raison. Il veut pas que j'aille là. Il veut que j'aille en face. Donc on peut aller en face, mais ça me paraît drôlement loin et haut. Toute cette copétise. Ah bah non, c'est un peu ça passe, ça passe. Ça passe. Alors là, la question qui va se poser, la question fatidique, faut passer en dessous. Ok. Ok. Droite ou gauche? Droite. Ok. La droite était la bonne. Super. Ok, donc là on a un truc avec un sort de machin. Ah, et des boosters. Attends, un booster sur le truc. Et là, il y a des trucs, mais je pense que c'est infini en fait, tu restes bloqué à l'infini. Donc je pense de prendre ça. Hein? Ah oui. Ok, j'étais intelligent. Bien joué, ça. Bien joué, bien joué. Luck check draw de 10. Oh, tout passe. Ah ouais, c'est troll. Putain, tout il est infini. Ah non, il est pas infini, mais j'ai eu 4. Ça se trouve à tous les coups. Oh, attends, il y a un truc là. Ça se trouve ça à tous les coups. T'auras jamais 10, donc faut passer en dessous. Et je me suis planté comme une grosse merde. Et ben voilà. Hop, avec un dé de 10, avec des chiffres dessus, c'est impeccable. Hop. On court, on se raccroche à vie parce que derrière nous, ça se casse la gueule, bien sûr. Hop, on saute super parfaitement. Voilà. On enchaîne le virage. On va tout droit. Quoi? Mais non, mais. Hein? Pourquoi ça s'est arrêté? Attends, on va recommencer. Mais pourquoi ça s'est arrêté là? Alors là, j'ai pas compris là. Alors là, j'ai pas compris. Là, ça va pas aller. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça, les amis. Mais pourquoi? Il y a un truc. Un disque, les couilles. Hein. Behind the band. Oh, tu déconnes. Oh là là. Oh, c'est bien joué ça. Ah, c'est vous, c'est bien joué. Level design, excellent. Ah, par contre, pourquoi la bombe je sais pas. Et puis, le boost, apparemment, il est là. Oh, j'ai pas eu le temps de sauter. Oh, j'ai pas eu le temps de sauter. Je me suis arrêté. Voilà, il y a un petit mur. Non, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Non, je suis désolé, j'avais pris le boost. J'avais de quoi courir, non, ça c'est trop. Ok, on va prendre le boost. On va laisser tout se refaire. Ok. Ouah, c'était moins une, hein. Elle a failli se planter, hein. Non. Oh la vache. Oh, c'était moins une. Oh, j'espère que ça va passer, hein. Parce qu'on s'est planté, mais non. Ok. Pfiou, moins une. Bon. Non, pas assez de puissance. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a un munchpad qui est là. Voilà. Et ça permettra d'atteindre. Non, ça ne permettra pas d'atteindre ça. Et je pense que c'est ça, mais juste qu'il faut que je m'y prenne bien. Voilà, là c'est mieux. Ça m'inspire pas confiance sur l'intérêt du jeu. Hop, on passe au-dessus, pas les couilles. Ouais, on peut passer au-dessus, super. Câble. Ah, j'avais juste pas vu ça. C'était évident. Bon, c'est un niveau de merde là, je suis censé passer quand même un petit peu dedans. Enfin, je sais pas. Ok. Et waouh! Attends, on va voir ce que. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Ok, ça s'est passé, super. Ok, des parasols, donc ça rebondit. On va enchaîner. Là.
comme je connais à peu près Props, je sais qu'il y a forcément un parasol qui va pas en faire rebondir. Et déjà, il faut bien négocier le parasol pour penser, c'est quand même mieux. Voilà. Parce que ça, c'est pas des sauts parfaits. Régulier. Ok. Et ça, ça saute pas. Voilà. Ok, on a un système de. Je te pousse. Avec les trucs. Ouais, d'accord, ça joue comme ça. Oh, trop bien. Trop bien. Ok. Ah. Faut vraiment sauter, genre vraiment pile poil dessus en fait. Genre comme ça. Ça me paraît être logique comme ça. Voilà. Oh, j'ai raté. Dommage. Ah, ouais. Chaud. C'est bon. Ok, un testron de lit, pourquoi pas. On va savoir forcément avoir un lit qui va être un piège. Je préfère sauter sur les bords de lit, peut-être qu'il y a quelque chose. Oh, évidemment ce lit. Mais oui, quand tu connais créatif, mon cher Limoun. Mais oui, ce lit-là peut être un objet à détruire. Et du coup, forcément, faire en sorte que tu peux tomber dans le vide si tu connais pas. Mais oui, j'étais bête, je suis passé à côté. Donc on va sauter bien comme il faut et on va passer au-dessus de ce lit. Voilà. Impeccable. Oh non, il a mis tout autant wipeout. Oh non, la merde. Oh la grosse merde. Ah non, mais attends, en vrai. En vrai, si je prends pas la frite. Oh putain. En vrai, faudrait que je prête pas la frite pour sauter tranquille, genre. Ok. On maîtrise. Jusqu'à temps que la frite disparaisse. J'espère qu'elle va disparaître, hein, parce que sinon je suis comme un con et j'attends, tu sais. Je vois que j'ai encore des trucs électriques. Ok, je glisse plus. Impeccable. Mais non, mais. N'importe quoi. Oh, n'importe quoi ce que je fais. N'importe quoi. Ok. On stagne. Voilà, super. Et maintenant, on prend notre élan et on saute bien. On prend notre élan et on saute bien. Ah, bonjour monsieur. On prend notre élan et on saute bien. Impeccable. Impeccable. Alors, prochain niveau. Ça va être de piège, je suppose. Ok. Impeccable. Quoi? Pourquoi ça s'est enchaîné sur un. Pourquoi il y a un piège qui s'est déclenché au bout? C'est n'importe quoi ce jeu. Je comprends pas le dessin. Je ne comprends pas ce dessin. Je dois le faire à l'envers. Alors il faut le faire à l'envers, nous dit le petit gentil monsieur là. Et à l'envers, moi ça fonctionne pas. Hein. Ou alors je comprends pas. À l'envers. Et bah je suis à l'envers mon gars, là je me mets à l'envers, regarde. Là je suis à l'envers. Je sais pas. Moi le bait à l'envers en plus j'y arrive pas. J'ai jamais fait ça en fait, genre. Je crois que t'as des idées bizarres des fois. Hein. T'as des idées bizarres. Ok. En regardant peut-être que le sol, ça marche. Ça a l'air de marcher en regardant que le sol. Ok, c'est ça. Fallait juste regarder que le sol en fait et pas regarder ailleurs. Il devait y avoir souvent le petit déclencheur de perception. Une petite caméra. Qui devait te foutre la merde. Et bah, du coup, ok, faut que je scanne là où je vais. Faut que j'aille là, du coup, en face. Ah, d'accord. On va essayer de s'accrocher. Non, j'étais dessus. Non. Bon, faut que je reste accroché. Oui. Hop. Alors, allez, faut que j'aille en face. Il
faut que j'aille ensuite. Montre-moi le chemin, petite carte, juste en face, visiblement. J'ai plus de crapin. Et comment je suis censé faire sans crapin? Je suis censé me suicider. Ça paraît logique. On prend un crapin, let's go. Hop, on prend ce qu'il y a de l'environnement. Bon, on prend ce qu'il y a de... Il m'aura dit que chemin à prendre. Voilà. On y va. Sans face. Et c'était au-dessus du gars, hein, en vrai. Du coup, maintenant. Et c'était ici. Impeccable. Ah non, mais. Ah, mais je sais, en fait, c'est le dernier niveau, ça. Ça, c'est le dernier niveau, ça. Faut refaire tous les trucs. Oh. Tous les trucs qu'on a vu avant. Faut les refaire. Je crois que c'est ça. Tous les trucs avant, on aura voulu les refaire. Voilà, les planches là, de mort, là, on se souvient tous. Ça, il n'y a pas beaucoup, donc tant mieux. Là, je suppose qu'il a pas mis trop, putain. Oh, on va en pire sauter, hein. Ok. Ouais, non, je me suis merdé. Non, je me suis merdé. Pour moi, ça sautait vraiment super droit, tout doucement, sinon c'est foutu. C'est parti, cette fois-ci j'essaie de pas me planter. Hop, on passe tranquille. Hop, on se lance pas sur les planches. On passe les planches de mort. On va sur les nuages. Hop, nuage suivant. Impeccable. Et là, faut vraiment que j'aille vraiment au centre. Ok. Et j'ai fini ce putain de test run. Et j'ai un QI de moins 35. Yes! QI de moins 35, incroyable QI que j'ai, je suis en fait juste con, voilà. Voilà, je suis un gros con apparemment, avec ce Death Run. Bon bah voilà, Death Run de Crossback Pina Troll terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tester son Death Run, même si du coup vous avez vu forcément ma vidéo, vous êtes spoil sur les trolls. Mais tester son Death Run, ouais, ça peut être cool. Voilà, allez, salut.